créé depuis 2018 par le décret de l'ancien Premier ministre Bruno Tshibala, la télédétection. Aujourd'hui, nous allons en parler, l'état des lieux. Comment est financé ce service public? Où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce que ce service public a eu à faire? Nous allons en parler dans ce spécial grand plateau. Nous avons l'honneur pour vous de recevoir Monsieur Patrick Mayouba, bienvenue. Merci. Vous êtes directeur général de Sainte. Affirmatif. Voilà, Monsieur Mike Chimbalanga, bienvenue. Merci, Monsieur voilà. Journaliste. Et Monsieur Moulonda Rigobert, DS, bienvenue. Merci. Voilà, je commence par vous, directeur général. Depuis 2018 que ce service public a été créé, vous en connaissez des difficultés. Et quelles sont ces difficultés? D'abord, permettez-moi de remercier Télé 50 pour l'opportunité que vous nous donnez de prendre la parole ici, sur votre plateau, afin de donner un message au public qui ne connaissent pas encore, effectivement, l'importance de ce service créé par le Premier ministre Tshibala, le 24 avril 2018. La question que vous me posez là-bas, les difficultés, il y en a nombreuses. Nous avons beaucoup de difficultés, effectivement, liées à la croissance de tout service qui se met en place, et spécialement les difficultés matérielles. Il faut des locaux de travail appropriés pour que les experts, le corps des experts qui doivent travailler au sein de ce service d'État puissent bien faire leur travail. Et ça, c'est en train d'être résolu, Dieu merci. En train d'être résolu parce que le gouvernement vient quand même de doter notre service d'une grande parcelle à la Gombe, dans laquelle il sera certainement dans les mois à venir, les années à venir, on pourra ériger un bâtiment du siège national de la télédétection. Et pour le moment, nous sommes en train d'évoluer dans des lieux provisoires que notre ministre de tutelle a doté le CNT. Le ministre de la recherche scientifique. Exactement. Oui, nous sommes logés au 7e niveau de l'immeuble Kassai. Si vous voyez les quartiers où se trouvent des EDA, juste après, vous avez l'immeuble Kassai, là où sont logés plusieurs ministères d'ailleurs, et nous sommes au 7e niveau de l'immeuble Kassai. Alors c'est quoi, en fait, pour ceux qui sont en train de nous suivre, la télédétection? Et on aimerait un peu savoir qu'est-ce que vous avez eu à faire ici en RDC. Ça fait pratiquement 4 ans que ça existe. Non, 4 ans c'est beaucoup dire, 3 ans. Et 3 ans. La télédétection, en fait, c'est une nouvelle technique. Nouvelle technique qui permet à tous les pays qui l'adoptent de mieux connaître ce qu'ils recèlent comme ressources naturelles en dessous du sol. Mais également, ça gère aussi les aspects sécuritaires du pays, surtout le long de nos frontières. Et ça, c'est important. Parce que le satellite que nous allons exploiter est à 950 km de nos têtes. C'est un satellite d'observation de la Terre. Un satellite commercial et qui va prendre des informations fiables et exhaustives sur tout ce que nous avons dans notre sous-sol comme ressources naturelles. C'est une grande première. Et ces informations précises seront analysées par nos experts, à commencer par nous-mêmes, nos experts qui nous accompagnent, et logés dans des cartes thématiques, parce que ces informations ont trait à l'agriculture, au secteur minier, au secteur des ressources pétrolières, donc les hydrocarbures, à l'aménagement du territoire, aux ressources en eau, à l'urbanisme, bref, à la forêt, à l'environnement, à l'écosystème en général. Et toutes ces informations
seront analysés et logés dans des cartes thématiques qui seront mises à disposition du gouvernement pour chercher des investisseurs. Des investisseurs oui, potentiels. On dira, voilà, messieurs, vous avez de l'argent, nous avons des données fiables dans tel secteur, des mines, des activités, etc. Alors, venez nous aider. Nous vous vendons nos informations que nous avons. Ces informations seront présentées aux investisseurs potentiels et il y aura une espèce de promotion de ces données. Et ceux qui vont accepter de les prendre, parce que les investisseurs aiment bien avoir des données exactes, là où ils vont travailler. Et ils vont payer de l'argent... À la télédétection. Non. Ils vont payer de l'argent à l'État congolais. Okay. Pour avoir accepté de recevoir les informations. Donc vous êtes un service public. Oui, public. Nous sommes un service public qui est en train de se mettre en place. Et alors, eux, ils viendront maintenant commencer leur travail d'ouvrir, n'est-ce pas, des implantations de sociétés qui vont exploiter cette information. Ouvrir les sociétés qui vont engager nos jeunes gens chômeurs qui n'ont pas d'emploi dans tous ces secteurs. Et ça va générer des devises, de l'argent fort à notre budget national. Voilà. Monsieur Mike Tshimbalanga, au revoir. Vous êtes un peu jeune dans le staff de Monsieur Patrick Mayouba. Qu'est-ce que concrètement vous avez déjà fait, outre ce que les directeurs généraux viennent de dire au niveau mais là, de la télédétection? Vous avez eu à poser quoi comme acte pouvant faire à ce que les investisseurs viennent en RDC? Merci, monsieur le journaliste, pour votre question combien pertinente. Comme vous venez de l'entendre de M. le directeur général, c'est un jeune centre créé en 2018. Et nous sommes en partenariat avec la République sœur du Japon via son agence de développement qui est la JICA. Et dans ce partenariat, il est question que cette JICA puisse mettre à la disposition du Centre national de télédétection des matériels fiables pour permettre de bien travailler. Et le gouvernement, quant à lui, il devait pouvoir doter la RDC des locaux appropriés. Et M. le directeur général vous a bien dit, c'est en cours. Et le gouvernement venait de nous doter une parcelle là-bas au niveau de Batété, la Loubefou. Mais l'immeuble est un peu en état de délabrement et il est question de pouvoir de pouvoir refaire un nouveau bâtiment. Donc là, il faut encore des moyens. Il faut encore des moyens. Des moyens qui proviendraient de l'État congolais ou bien de vous, de ce que vous aviez fait comme travail. De l'État congolais. De l'État congolais. Et pour le moment, par rapport au budget, qu'est-ce que vous avez eu à apporter depuis que ça existe, depuis que ça a été créé? Ben, nous avons des difficultés. Parce que nous émergeons du budget annexe de l'État congolais. Mais nous éprouvons des difficultés à pouvoir décaisser, justement, ces fonds qui sont mis entre disposition pour pouvoir, n'est-ce pas, doter les synthés de ces matériels. Mais du côté de nos partenaires japonais, ils ont eu à visiter nos locaux où nous sommes provisoirement installés et ils ont promis de pouvoir nous venir en aide en nous dotant des matériels. Mais localement, il y a un recrutement rigoureux qui a déjà été fait. Nous avons déjà un noyau des experts, toute diversité. Mais tout ça, c'est l'argent. Oui, tous les experts sont là. Oui. Ils sont déjà à pied d'œuvre. Nous évoluons avec... Et comment vous les payez? Comment vous payez ces experts? Ils sont pris en charge par le Trésor public. Ils bénéficient d'une prime. Voilà. Monsieur Moulonda, vous êtes directeur scientifique. Lorsqu'on essaie de voir les choses, on essaie de voir notre budget alloué pour la recherche scientifique, c'est minime. Et comment la télédétection parvient certainement à subvenir à ses besoins? Parce que d'abord pour les ministères, c'est trop minime comme budget. Oui, je suis très content parce que vous relevez cet aspect des choses. Je crois que notre ministre actuel, Maître Panda, s'est battu. Je crois que sur cette modicité-là, on a dû donner encore un peu plus. Et je crois que avec cela, et comme le DG vient de le dire tout à l'heure, ça nous permettra de nous équiper. Parce que la télédétection, ce n'est pas un centre philosophique, un centre de linguistique, non.
c'est un centre de recherche, c'est un centre de l'imagerie satellitaire. C'est à partir de cela, comme le DG l'a souligné, ça apportera un peu plus. Et je crois, comme le gouvernement aussi congolais l'a compris, ce n'est pas pour rien que pour le prochain budget qui sera bientôt en exécution, il y a eu une augmentation. Parce que c'est avec cette augmentation-là, comme le disait tout à l'heure le DG, je veux vous donner un exemple banal. Sur le plan minier, par exemple, la plupart d'investisseurs qui arrivent dans notre pays, ils arrivent, ils ont déjà une estimation. Mais quand ils arrivent pour négocier avec le gouvernement congolais, ils ramènent ça vers le bas, c'est-à-dire la production, l'estimation de la quantité dans les sous-sols est toujours minimisée. C'est ainsi que vous verrez, quelques temps après, ils achètent et ils revendent. Il achète par exemple à 100 millions et vous êtes surpris que dès le lendemain, il revend à 1 milliard. Et je crois que quand le CNT sera en plein épanouissement, je crois que CNT, quand il aura deux moyens, comme le DGA l'a dit, je crois qu'on apportera un peu plus à l'économie congolaise. Voilà. Monsieur le DG. Oui. Moi, je voudrais quand même recadrer un peu le... l'importance de la télédétection, parce que l'opinion publique ne sait pas ce que c'est la télédétection. Effectivement, oui. C'est ça. Mm. Il faut qu'ils le sachent. C'est quoi la télédétection? Eh bien, comme je dis, c'est un outil tout à fait nouveau qui permet de prendre des informations à distance. Le satellite, comme je dis, va tourner autour de 950 km au-dessus de nos têtes. Et à bord, à son bord, sont logés des instruments optiques qui vont travailler dans des bandes électromagnétiques bien précis pour prendre des informations dans tous les secteurs que j'ai cités ici, dans l'agriculture, dans les mines, dans les hydrocarbures, dans l'aménagement du territoire, dans l'environnement. Et ces informations prises à partir de l'espace vont être réinjectées vers le sol et capté par ce qu'on appelle les stations de réception, construites au sol. Et le CNT devra abriter cette station de réception. Nous sommes en train de nous battre pour obtenir des partenaires capables de nous aider pour la construction de cette station de réception. Sinon, ils seront logés dans d'autres stations de réception où nous irons les chercher par téléchargement. C'est-à-dire? Oui, c'est-à-dire que nous allons avec nos appareils informatiques, et aller chercher ces informations dans les centres spécialisés que nous connaissons, aux États-Unis, en Europe, un peu partout, pour avoir ces images-là dont nous avons besoin. Est-ce que vous êtes suffisamment équipé? Ah, je crois qu'il y en a un qui vient d'en parler ici. Oui, non. Pour le moment, nous attendons un équipement approprié. Il a parlé de... Toujours de la part des JICA, votre partenaire, ou d'autres partenaires. Ah, notre partenaire aussi, on ne dort pas. Oui. Vous avez appris que le 11 février dernier, son Excellence, Monsieur le ministre de tutelle, a présenté ses projets au Conseil des ministres. Ça a été accepté. Ça a été accepté le 11 février. Nous sommes en train de parcourir le monde pour chercher des partenaires qui vont nous aider efficacement. Mettre sur point la RDC satellite, qui vont nous aider à fabriquer et à mettre sur orbite notre propre satellite. Il y en a déjà, nous sommes presque à la fin. Le ministre en a parlé au Conseil des ministres. Et voilà, je crois que sous peu... Et maintenant, les experts, comment vous parvenez à les recruter? Parce qu'il a parlé des experts que vous avez recrutés. Les experts qui sont là-bas, le noyau qui est là, je les ai soumis à un examen scientifique. Moi-même, je suis du domaine. Donc, j'ai confectionné un questionnaire que je leur ai soumis. Et j'ai corrigé, j'ai vu qu'il y a à boire et à manger. Ces jeunes gens doivent encore subir une formation et accélérée. C'est ainsi qu'au mois de février 2020, il y a eu le premier séminaire de mise à niveau, renforcement des capacités de tous les experts du CNT. Et ce séminaire a été animé par des experts de la RESTEC au Japon.
via la JICA pendant un mois au bâtiment, au bâtiment intelligent. Donc là, ce sont des géologues, hein? Ce sont non, pas des géologues. Toutes disciplines confondues. Il y a des agronomes, il y a des géologues, il y a des physiciens, il y a des mathématiciens, il y a des urbanistes, il y a des géographes. Les juristes, ils viennent là? Ils viennent de faire quoi? Les juristes sont des personnes qui nous accompagnent sur le plan administratif. Parce que à part les experts scientifiques, il y a un noyau administratif qui nous accompagne. Il y a des aspects financiers, futurs, bien que maintenant on n'en a pas. Mais il y a des aspects juridiques aussi qui se posent. Donc, tous ces gens là-bas sont les bienvenus pour former un corps, le corps de santé. Alors, il faut que ces jeunes gens comprennent ce que c'est. Vous avez la fusée, ce qu'on appelle la fusée, oui, et le satellite. Voilà, deux éléments essentiels. La fusée n'est que un mode, n'est-ce pas, qui transporte, qui transporte pour la mise sur orbite le satellite qui est la charge utile, à bord duquel, comme je dis, sont posés des instruments optiques qui vont travailler maintenant dans différents, n'est-ce pas, ondes électromagnétiques pour prendre des informations. Alors, ce qui s'est passé, par exemple, au niveau des Goma, est-ce que votre expertise a été aussi sollicitée au niveau non. des Goma? Goma est géré par l'OVG. L'OVG, oui. L'OVG, qui est spécialisé. Est-ce que l'OVG, ainsi que la télédétection, vous avez des similitudes, vous avez... Oui, un peu de similitude, hein, mais pas tout à fait. Hein. L'OVG suit au jour le jour le comportement du volcan. Okay. Vous comprenez? Pour signaler aux autorités, attention, il y a danger. Nous sentons que à l'intérieur, monsieur le volcan est en train de se mouvoir. Le volcan? Oui, le volcan. Mais le CNT peut intervenir dans la localisation des coulées de lave. Localisation? Oui, donc, les coulées de lave qui sortent parfois par les flancs du cône du volcan. Et ces laves-là vont parfois très loin. Et comme vous le savez, ensevelissent beaucoup de villages, beaucoup d'habitants, etc. Donc, à partir du satellite, de nos images satellitaires, nous allons dresser une carte des zones où nos populations ne doivent pas aller construire. Parce que, de par expérience, à partir de telles éruptions volcaniques, on a constaté que ces laves prenaient telle direction. Alors, il y a une zone qui doit être interdite. Nous allons cartographier ça. Et nous donnerons ça, nous mettons ça à la disposition du gouvernement pour que le gouvernement, qui est le porte-parole, dise que désormais, on ne peut pas voir des gens construire à tel endroit, Ça, nous allons faire ça. Mais pour prévoir que l'éruption volcanique est en train d'arriver, ça c'est donc le travail c'est aussi de l'OVG. Le travail de la télédétection, voilà, je vais y arriver, aussi de pouvoir localiser les minéraux de la RDC. Voilà. Où ça se situe? Ça, c'est vraiment une de ses prérogatives. La prise en compte de toute la cartographie de tout ce que nous avons comme ressources naturelles dans le sous-sol, que ce soit les mines, comme j'ai dit, comme vous l'avez dit, que ce soit les hydrocarbures, que ce soit la forêt, etc. L'agriculture. Voilà. Donc c'est ça, pour booster notre agriculture. Et en produit vivrier, pourquoi pas, en produit pérenne pour l'exportation. Et avoir les devises. Et est-ce que vous avez eu même des investisseurs qui vous ont contacté? Non, pour le moment, des investisseurs comme tels, non. Mais des gens qui nous consultent déjà, oui. Parce qu'ils connaissent l'importance des partenaires qui nous contactent et qui nous offrent même des services pour nous équiper. Ils sont là. Et nous faisons rapport à notre hiérarchie. Votre hiérarchie. Et nous pensons que je ne dirais même pas à moyen terme, mais à court terme. Les choses vont comme ça, bouger sérieusement. Voilà. Monsieur le DS, vous, dans votre département, qu'est-ce que vous avez déjà eu à faire durant ces quelques temps que ça a été créé? Oui, la première chose qu'on a pu faire,
c'est de passer à la première étape de la formation. La formation de... des experts. Des experts. Ouais, oui, il y a eu une les équipe... experts en télédétection. Exact. Il y a une équipe qui est venue du Japon, le Japon qui est notre partenaire qui nous accompagne. Il y a eu la formation qui s'est faite pendant plus de 2 semaines. Et la deuxième étape, c'était une étape qui devait se faire sur le terrain. Ça devait être plus précisément à Colosie. Malheureusement, cette étape a dû être retardée avec le coronavirus. Alors, les formateurs ont refusé de se déplacer. C'est pour cette raison que nous pensons que dans les prochains jours, on reviendra à cette deuxième étape. Après la deuxième étape, comme le DG l'a dit tout à l'heure, nos experts auront du matériel. À partir de ce matériel, comme il a dit, par téléchargement, on va commencer vraiment l'envol. Vraiment du synthé. Oui, M. Mike Tshimbalanga. Oui, pour compléter, monsieur le directeur scientifique, à l'interne, il y a ce que nous avons appelé séminaire d'imprégnation, de cette capacité de mise à niveau de la télédétection. Donc, au moment où nous vous parlons, ils sont en train de s'imprégner de cette mise à niveau sur la télédétection. La partie théorique a été terminée, maintenant ce sont les pratiques. Voir comment télécharger les différentes applications ou télécharger ces données, comment les traiter, les images et tout ça. Actuellement, c'est ce qui est en train d'être fait. Voilà. Oui, il faut dire que tout cela découle de la du premier séminaire de formation dont on vous a parlé avec les Japonais. Nombre de nos experts n'ont pas bien assimilé la matière. Outre la formation, oui, vous allez continuer. Qu'est-ce que les Japon vous apportent? Ils apportent les matériels? Le Japon devait nécessairement nous apporter le matériel. Mais il n'a pas fait, jusque-là. Jusqu'à présent, nous attendons, et c'est ça qui nous met un peu mal à l'aise, à partir de la hiérarchie et nous-mêmes, les concernés. Il n'y a pas de matériel. Il y a des promesses, mais il y a une dame de la JICA qui est passée chez nous il y a à peine maintenant moins de mois, pour venir dire que le Japon a décidé de venir apporter le matériel au CNT. Nous sommes encore aujourd'hui et nous ne voyons pas. Donc, c'est une conférence. Vous parliez de la formation? Oui, la formation, oui. Alors, comme beaucoup de nos experts n'ont pas bien assimilé la matière lors de ce séminaire, nous avons décidé d'y revenir, mais en interne. C'est-à-dire que pratiquement tous les modules que nos amis les Japonais ont développés, nous les avons repris. Mais cette fois-ci, animés par des experts congolais. Vous voulez expliquer ce que c'est à partir du commencement, la télédétection qui s'appuie sur le principe élémentaire de la physique et des mathématiques, jusqu'à d'autres principes. Nous les avons, et nous avons dans notre groupe-là, un noyau de 6 experts, six jeunes experts, qui sont très avancés par rapport à d'autres. Ils sont avancés sur base de quoi? Parce que ils ont appris ça à l'université. L'université, oui. Toujours ici au Congo ou ailleurs? Au Congo ou ailleurs. Alors, nous-mêmes, nous nous sommes mis sur le plan et ces experts, et nous avons développé de nouveau ces modules que les Japonais avaient donnés en 2020. Et le résultat maintenant est plutôt satisfaisant. Beaucoup maintenant comprennent ce que c'est. Les méandres de la télédétection. Et ça nous fait plaisir. Et qu'est-ce que maintenant vous plaidez pour que le gouvernement fasse quelque chose pour vous? Pour mener certainement des bonnes études en télédétection et les plus vite. Parce que déjà, à vous entendre, la JICA qui a promis, jusque-là, elle ne s'est pas encore réalisée. Il y a beaucoup de choses à pouvoir faire. Mais si vous n'êtes pas bien équipé, vous serez que théorique. Sur les maigres moyens des dotations qu'on nous a données, nous avons déjà engagé une partie de ces maigres moyens pour commencer à acheter nous-mêmes, en interne, quelques équipements nécessaires. Comme quoi, par exemple? Oh, beaucoup de choses. Des ordinateurs, des laptops. Laptop spécialisé, avec des logiciels appropriés. Et beaucoup de choses. Des imprimantes. Oui, absolument, des imprimantes. N'est-ce pas,
des logiciels pour justement imprimer, élaborer des cartes thématiques, tout ça. Nous avons mis sur la demande, tout ça, et beaucoup d'autres matériels. Donc, nous allons petit à petit, avec les maigres moyens dont le gouvernement nous a dotés, nous allons progressivement commencer à nous équiper nous-mêmes. Mm-hmm. Donc, voilà. On va plus attendre. Monsieur Tshimbalanga, pour votre dernier mot, et aussi Monsieur Moulonda, avant que les directeurs ne finissent. Oui, merci, Monsieur le journaliste. Le plaidoyer que nous pouvons porter à travers les décideurs du pays, c'est qu'on puisse venir en aide au CNT financièrement. Mm-hmm. Car c'est une structure d'une très grande importance, car nous intervenons dans le domaine transversal du pays. Et si on nous dote des moyens adéquats, on pourra faire un inventaire exhaustif de toutes les matières premières de la RDC et même développer les aspects sécuritaires. Et nous allons donner des coordonnées géographiques avec précision au ministère de la Défense. Et lorsque nos forces, nos vaillantes forces qui sont au front auront ces données, ils feront des interventions chirurgicales, car on aura détecté les zones où il y a des mouvements insolites, des forces négatives. Donc le plaidoyer que je puis faire comme dernier mot, c'est qu'on puisse aider les synthés, n'est-ce pas, à décaisser les maigres fonds qui sont mis à notre disposition, afin qu'on puisse se doter de néfisques avec des matériels adéquats, en attendant que le partenaire puisse nous venir en aide. Voilà. Monsieur DTS. Oui. Monsieur le journaliste, je crois que vous nous aviez offert une occasion en or de refaire encore un appel au gouvernement. Je crois que le gouvernement a pris les choses en charge. Et il faudrait que ces choses, financièrement, se concrétisent. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le CNT a besoin de l'équipement. Le CNT, ce n'est pas un centre théorique. C'est un centre qui peut faire son travail à partir des images satellitaires. Et pour avoir ces images-là, il faut avoir un équipement adéquat. Et cet équipement, il s'achète. Et je crois que du moment où le CNT sera équipé, je crois qu'on se rendra compte de l'importance de notre centre. Voilà, M. Patrick. Je voudrais souligner ici que le décret qui porte création du CNT a accordé le monopole, l'exclusivité au CNT, la gestion de tout ce qui est information satellitaire dans notre pays. Et c'est pourquoi que le ministre des tutelles, en bon juriste, recommande toujours à toute personne physique ou morale qui veut œuvrer dans ce secteur-là, des satellites, doit passer obligatoirement voir le CNT pour jumeler leurs efforts, discuter avec le CNT, afin qu'ils ne soient pas et qu'ils ne commencent pas à travailler à un électron libre. Alors, à ce moment-là, on pourra discuter pour signer un contrat de collaboration entre ces personnes et nous. C'est déjà fait pour certains qui viennent d'Europe, même localement. Donc, nous devons gérer comme il se doit en respectant le texte juridique qui a mis en place le CNT. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Vous avez été nombreux. Vous aviez compris c'est quoi le CNT, le Conseil national de la télédétection en République démocratique du Congo. Merci à vous, M. Patrick Mayuba, directeur général, Monsieur Mike Tshimbalanga, et aussi M. Moulonda Rigobert. Merci. Ça n'est fini. Restez branchés sur Télé 50. À très bientôt.